Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on continue l'aménagement de la chambre. Je vais fabriquer les tiroirs pour les caissons que j'ai fabriqués la dernière fois. Si vous avez raté l'ensemble des vidéos, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et là, un petit. Alors, on va continuer l'aménagement de la chambre. Je vais fabriquer des tiroirs. Je voulais juste vous dire, j'ai créé quelques feuilles de calcul. Je comprends pas, par moment ça fonctionne pour certains, ça fonctionne pas pour d'autres, je sais pas du tout ce qui se passe. Essayez de changer votre navigateur, prenez Internet Explorer ou Google Chrome ou Mozilla, un autre, enfin j'en sais rien, essayez. De toute façon, ce que je vais faire là, c'est que j'ai créé un fichier, vous verrez, c'est un fichier sur OpenOffice, où là vous allez avoir l'ensemble des fiches, calcul de la façade, calcul des tiroirs, calcul de l'espacement, etc., etc., qui va évoluer dans le temps. J'espère que ça vous plaît. J'ai eu pas mal de retours, il y en a ça plaise, il y en a d'autres pas. Bah, n'hésitez pas à commenter et puis expliquez-moi ce qui vous gêne ou si ça va bien parce que ça fait super plaisir. Bon, moi en tout cas, pour les tiroirs ici, tiroirs simples, j'utilise des tablettes de mélaminé. Donc là, le champ est déjà recouvert, ça sera le dessus, elles vont être coupées en deux. À l'intérieur, bah, ici j'encaisse du 3 mm. C'est des panneaux de fibres, hein, de fibres de particules qui est là, déjà laqué blanc. Là, ensuite, ici, j'utilise des coulisses. Vous verrez des coulisses qu'on va venir insérer dedans. Donc, il y aura une rainure à faire dedans. Tous les calculs seront dans l'autre feuille de calcul. Hein. Je vous expliquerai, vous verrez dans la vidéo, je vous mettrai une petite cote. Et là, la particularité de ces tiroirs ici, c'est que la façade, la partie du milieu, sera transparente. Bon, je crois que j'en ai terminé là. Plus important maintenant, on va fabriquer tout ça. Allez, c'est parti.
Bien, bon, ça y est, vous avez vu, les tiroirs sont maintenant montés, ça coulisse super bien. Donc j'ai l'ouverture du tiroir. Moi j'ai fait le choix ici de ne pas venir mettre de poignée ni d'évasement, parce qu'on arrive quand même à le tirer, on peut le tirer à deux mains, etc. Comme vous avez pu voir, pour la fabrication de ces tiroirs, bon, vous aurez tous les feuilles de calcul, hein, je vous l'ai dit dans la description, juste en dessous. Mais moi ici, vous avez vu, tous les réglages d'usinage, j'ai toujours une pièce. C'est mon gabarit. À la fin, comme vous avez pu voir, je viens mettre le rail, je viens régler, parce que en fait, c'est vraiment, tout est lié, j'ai pas de réglage, parce que c'est vrai que par moment, sur certaines façades de tiroir, sur certains mécanismes, on peut régler. Moi, je ne peux pas régler. C'est ici l'affleurement qui est fait lors du montage. Eh bien, vous avez vu, j'ai utilisé des cales, je mets des cales chaque côté, je vérifie, hop, et après le tiroir est très bien monté, ça coulisse bien et je suis pas embêté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Allez-y. Mais le plus important, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!